Salut à tous et bienvenue sur xboxlive.fr, c'est Plaguey the Wise. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à The Escapist 2 qui est sorti sur Xbox One le 22 août dernier. On va découvrir ensemble le contenu de celui-ci et les nouveautés qu'il apporte. Alors Team 17 nous propose une nouvelle version de The Escapist, donc on pourrait dire une version 2.0 parce que il y a vraiment des nouveautés qui sont vraiment intéressantes, notamment le online, donc on en parlera tout à l'heure. Mais concrètement, on est toujours dans les mêmes mécaniques, c'est-à-dire que on est un prisonnier et il faut s'évader d'une prison. Plus on s'évade des prisons, plus celles-ci sont compliquées et sécurisées. Donc ça devient toujours plus complexe et il faut faire de plus en plus de choses et crafter de plus en plus de choses pour pouvoir réussir à s'évader. Il y a toujours une multitude de possibilités, donc ça c'est toujours intéressant. On n'a pas un chemin tracé pour pouvoir sortir, hein. C'est en fonction de vous, hein, clairement. On pouvait très bien, par exemple... prendre les vêtements d'un garde ou un sommet à garde et récupérer ses clés pour pouvoir vous évader ou intégrer une équipe de journalistes qui fait un reportage dans la prison pour pouvoir vous évader. Enfin voilà, il y a toujours une multitude de possibilités, ou creuser un trou sous la terre. Voilà, on a de multiples possibilités pour pouvoir sortir. Donc ça c'est toujours intéressant parce que ça, il n'y a pas de chemin vraiment tracé. Ensuite, le craft est devenu plus simple. Donc maintenant, on jouait déjà sur 3 items, mais grâce à votre intelligence, donc là, vous allez devoir travailler un petit peu, lire clairement dans les prisons pour pouvoir améliorer votre intelligence et accéder à différents crafts. Clairement, c'est beaucoup plus simple. Un peu à l'instar de Minecraft version bêta, on a toujours vous savez, quel objet utiliser pour pouvoir fabriquer par exemple une pelle ou une cisaille ou tout simplement un moule pour copier les clés d'accès. Donc là c'est beaucoup plus simple parce que dans The Escapist 1 il fallait vraiment avoir Wikipédia à côté et vraiment s'inspirer de ce qu'il y avait pour pouvoir fabriquer une arme. Là vraiment on est plus guidé et ça c'est vraiment du bonheur parce que ça évite de se prendre la tête, de se torturer, à noter ce qu'il faut faire, etc. Donc là c'est le point positif. Le second point positif c'est le online. On peut jouer jusqu'à 4 en coop, donc ça c'est super cool parce que ça donne un attrait vraiment plus intéressant dans cette aventure parce que tout simplement on se fait moins chier, hein, c'est clair, hein. C'est plus fun tout simplement. Ensuite ils ont intégré un mode versus, donc là clairement c'est le premier qui s'évade de la prison à gagner. Ça rajoute du stress et le temps est limité, donc on a à peu près c'est une vingtaine de minutes de mémoire dans lequel il va falloir ultra speeder, sachant qu'il y a certaines choses qui sont simplifiées, hein. Le craft, vous avez accès à l'ensemble des armes, enfin des outils que vous pouvez fabriquer. Vous n'êtes pas obligé d'être niveau 30, 40, 50, 60, 70 pour pouvoir en intelligence pour pouvoir fabriquer ces armes. Là, tout est ouvert dès le départ. Donc là, c'est vraiment celui-là qui va trouver le plus vite la solution pour s'évader qui gagne. Ensuite, du coup, on a l'aspect graphique. Et là, on est plutôt sur... Si la première version, on était sur du 8 bits, là, on est sur du 16 bits. Et ça donne un cachet supplémentaire au jeu. Une autre chose aussi que Team 17 a ajouté, c'est la customisation du personnage. Donc, on a de multiples possibilités. Il y a des items qui vont se déverrouiller au fur et à mesure que vous jouez ou que vous faites certaines actions. Donc, du coup, c'est intéressant aussi. Si on cumule tout, entre la customisation, l'aspect 8 bits, le online et l'aspect craft qui est simplifié, et ben du coup on se retrouve avec un jeu qui est nettement supérieur à The Escapist 2, mais qui lui ressemble totalement, hein, et qui est toujours dans la même veine. C'est-à-dire qu'on va. Ceux qui ont adoré le premier vont adorer le deuxième.
Par contre, si vous avez totalement à détester parce que pour X raisons, vous n'accrocherez pas à celui-ci. Ça, c'est clair et net. Ils n'ont pas fait le grand écart pour essayer d'aller récupérer de nouveaux joueurs. Donc là, clairement, si vous n'avez pas accroché, laissez tomber. Par contre, si vous avez adoré comme moi j'ai pu kiffer le premier, ben vous allez pouvoir aller les yeux fermés sur le jeu et vous allez pouvoir passer des heures parce que clairement je le trouve beaucoup plus difficile que le premier. Si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à les poser sur xboxlive.fr et moi je vous dis à très bientôt. Salut à tous !